Comment devenir riche avec le programme partenaire YouTube? YouTube est la chaîne par excellence où plusieurs entreprises mettent en ligne des vidéos qui servent d'écran pour présenter aux prospects leur marque ou leurs produits et services. Ainsi, devenir un partenaire YouTube vérifié peut être un moyen de booster la chaîne de votre entreprise. Alors si vous avez quelques vidéos qui sont de plus en plus regardées, maintenant vous pouvez générer des revenus de tous ces téléspectateurs. En effet, YouTube a un programme dénommé YouTube Partners qui vous permet non seulement de générer des revenus, mais également d'augmenter votre audience via ces outils. Alors si vous voulez savoir comment devenir un partenaire YouTube et gagner de l'argent, soyez donc assuré. Car dans cette vidéo, je ne vous cacherai rien de tout ce qui vous sera utile pour profiter de cette fonction de YouTube. Mais juste avant de commencer, je vous invite à prendre 3 secondes chrono pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci. En plus, cliquez sur le lien dans la description afin d'accéder à 3 vidéos gratuites qui vous apprendront à gagner de l'argent sur Internet depuis chez vous. Commençons maintenant notre sujet par le premier point. Quelles sont les exigences du programme partenaire YouTube? Avant de décider de devenir partenaire YouTube, vous devez déterminer si vous remplissez les conditions que doivent remplir toutes les chaînes YouTube souhaitant rejoindre le programme. Pour cela, vous devez suivre les règles de la communauté YouTube et les bonnes pratiques pour les créateurs de contenu. Respectez les règles de monétisation de YouTube, ces politiques vous diront quoi faire pour gagner de l'argent avec le contenu que vous téléchargez sur la plateforme. Vivre dans l'un des pays ou des régions où le programme partenaire YouTube est disponible. Avoir plus de 4000 heures de visionnage public valide au cours des 12 derniers mois. Votre chaîne doit atteindre ce niveau de trafic minimum avant de passer au programme partenaire YouTube. Avoir au moins 1000 abonnés. Associer votre compte YouTube à un compte AdSense. Après avoir connu les exigences du programme partenaire YouTube, la seconde question à poser est de savoir comment rejoindre le programme partenaire YouTube. Si votre chaîne YouTube répond aux exigences que je viens de mentionner, il est temps de vous demander de devenir partenaire YouTube. Vous devez également suivre le processus de vérification en 2 étapes de votre compte Google pour une meilleure protection. Car votre demande pourrait être retardée si vous ne le faites pas. Il est temps d'accepter les conditions d'utilisation du programme partenaire YouTube. Mais comment postuler pour devenir partenaire YouTube? Les étapes sont les suivantes. Connectez-vous en utilisant votre compte. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez YouTube Studio. Dans le menu de gauche, recherchez et cliquez sur « Monétisation ». Si vous ne remplissez pas actuellement les conditions requises, vous pouvez cliquer sur « M'avertir lorsque je suis éligible » pour recevoir un email lorsque vous atteignez 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage public valide au cours de la dernière année. Si vous avez satisfait à ces exigences, vous êtes prêt à partir. Ensuite, accédez à l'onglet intitulé « Examiner les conditions du programme de partenariat » et cliquez sur « Démarrer ». Acceptez les termes, puis vous verrez un terminé vert dans cette case. N'oubliez pas que vous devez avoir un compte AdSense. Ils vous demanderont d'associer un compte AdSense pour recevoir des paiements. Alors, comment pouvez-vous le relier? Cliquez sur « Démarrer » sur la carte « S'inscrire à Google AdSense ». Si vous avez déjà un compte actif, vérifiez que tout est correct. Sinon, suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran pour le créer. Une fois que vous avez associé le compte, inscrivez-vous à Google AdSense. Avec cela, vous avez terminé le processus de candidature au programme partenaire YouTube et vous devez attendre que YouTube l'examine et l'approuve ou le rejette. YouTube dispose de systèmes automatisés pour confirmer que le contenu de la chaîne répond à toutes les exigences. Le processus d'examen a tendance à prendre environ 1 mois, mais cela peut prendre plus de temps. La seule chose que vous pouvez faire est d'attendre et de continuer à télécharger du contenu en attendant. Quels sont les avantages de faire partie du programme partenaire YouTube? Être un partenaire YouTube vérifié peut apporter une série d'avantages à votre stratégie de marketing si vous l'utilisez bien. Vos revenus vont monter en flèche. Grâce à la portée de la plus grande communauté vidéo au monde, vous pouvez dépasser les frontières et toucher des personnes partout sur la planète avec vos vidéos monétisées. Vous bénéficierez d'une flexibilité pour votre marque. YouTube n'a aucune règle concernant les sites sur lesquels ses partenaires décident de mettre en ligne du contenu. Par conséquent, à l'aide d'un accord non exclusif, chaque partenaire peut monétiser ses vidéos sur la plateforme et d'autres sites web. Vous contrôlez vos publications. L'outil YouTube Analytics vous donnera le pouvoir de contrôler les performances de vos publications ainsi que de suivre les revenus qu'elles apportent. Utilisez alors cet outil pour découvrir comment vous pouvez augmenter vos performances sur votre chaîne avec les résultats que vous examinez. Comment booster votre chaîne YouTube? Une fois que j'ai clairement défini les avantages et les étapes pour devenir un partenaire YouTube, voici quelques astuces pour dynamiser la chaîne de votre entreprise. Le contenu est roi. Si vous allez mettre en ligne une vidéo, assurez-vous qu'elle est de qualité. Ce facteur est le plus crucial. Vous devez proposer un contenu divertissant qui suscite l'intérêt de votre communauté et touche également de nouveaux publics. Et surtout, votre vidéo doit refléter les valeurs de votre marque.
Choisir les bons mots-clés. Les vidéos à mettre en ligne sur YouTube nécessitent également une recherche avancée de mots-clés pour les positionner. Aidez-vous des outils tels que Google Trends pour trouver les termes les plus recherchés qui correspondent le mieux à vos besoins. Impactez-les avec votre titre. Contrairement à un article de blog qui a un titre et un texte en un instant, une vidéo n'en a pas. Ce format a un impact sur un titre convaincant et il jouera dans la décision d'un utilisateur. N'oubliez pas qu'un titre de vidéo ne doit pas dépasser 60 caractères, ce qui est le nombre maximum autorisé par Google. Si vous avez un titre, incluez également une description. Une vidéo YouTube bien intitulée sans description ne va pas très loin. Faites en sorte que les utilisateurs soient clairs et concis tout en incorporant les mots-clés que vous avez tirés de votre recherche. Les catégories comptent aussi. Choisissez les catégories qui correspondent le mieux à vos vidéos et ajoutez-les à la fin de votre description. Cela les rendra plus visibles pour les utilisateurs et les incitera à rechercher d'autres vidéos dans cette catégorie. Les vidéos peuvent devenir virales. Enfin, n'oubliez pas que vos vidéos doivent avoir une option de partage pour que la communauté YouTube puisse les diffuser sur leurs réseaux sociaux. Activez la fonction partager sur les vidéos que vous publiez. Il n'y a pas de formule magique pour créer une vidéo virale. Travaillez sur des idées et des concepts originaux, passez un temps précieux à monter la vidéo et ayez confiance qu'elle se connectera à votre public. Maintenant que vous connaissez les moyens appropriés pour booster votre chaîne YouTube, nous allons aborder la notion de monétisation. Mais bien avant de continuer, je voudrais vous rappeler que dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour accéder à 3 vidéos gratuites qui vous apprendront à gagner de l'argent sur Internet depuis chez vous. Alors n'hésitez pas à cliquer dessus pour bénéficier de cette formation gratuite. Sans plus tarder, je vais aborder comment monétiser votre chaîne d'entreprise. Après avoir boosté votre chaîne YouTube, pensez donc à la monétiser. Pour cela, voici quelques notions que vous devez maîtriser. 1. En savoir plus sur les revenus publicitaires. Les utilisateurs de YouTube monétisent leur contenu et reçoivent une partie des revenus publicitaires en fonction de leur contenu publié. Vous êtes automatiquement membre du programme partenaire YouTube dès que vous monétisez au moins une vidéo. Donc vous n'avez plus besoin de demander de collaboration. 2. Gagner des prix pour les abonnés. Si votre chaîne compte plus de 100 000 abonnés, Google vous donnera un bouton de lecture argenté encadré avec le logo YouTube et votre nom d'utilisateur dessus. Les chaînes comptant plus d'un million d'abonnés reçoivent exactement la même, mais avec une différence, le bouton de lecture est en or. Notez bien, toute vidéo considérée comme une violation des conditions d'utilisation et du règlement de la communauté annulera votre éligibilité à recevoir des revenus publicitaires. Assurez-vous donc que vos vidéos remplissent les conditions définies par YouTube. 4. Préparez votre compte pour la monétisation. Pour rendre la monétisation disponible, votre compte doit être en règle. Pour cela, vous n'aurez pas à enfreindre les règles de la communauté ou le contenu protégé par des droits d'auteur. Avant de commencer la monétisation sur YouTube, il est conseillé de lire et d'accepter les conditions d'utilisation. À cet effet, connectez-vous à YouTube et accédez à la page paramètres de la chaîne. Sous Opportunités, cliquez sur le bouton Activer à côté de Monétisation. Lisez donc et acceptez les conditions d'utilisation. 5. Vérifiez le contenu. Toute vidéo que vous monétisez doit être examinée avant d'y placer des annonces. Assurez-vous que votre vidéo passe l'examen et que votre compte conserve son bon état. Vous devez posséder les droits sur tout ce qui se trouve dans votre vidéo, y compris la musique, les images et le texte. Par ailleurs, tout ce sur quoi vous n'avez pas les droits nécessite une autorisation écrite du créateur afin de l'utiliser et de le monétiser. Vos vidéos doivent respecter les règles de la communauté définies par YouTube. Par exemple, les contenus sexuellement explicites, vidéos choquantes, discours de haine et tout ce qui ne devrait pas être publié. Donc vous devez veiller à ces choses importantes. 6. Activez les publicités sur vos anciennes vidéos. Si vous avez déjà mis en ligne des vidéos et que vous souhaitez commencer à y diffuser des annonces, procédez comme suit. Une fois connecté à YouTube, accédez à votre gestionnaire de vidéos. Trouvez la vidéo dans laquelle vous souhaitez mettre des publicités. Cliquez sur l'icône $ à côté de votre vidéo, cela ouvre l'onglet Monétiser. Cochez Monétiser ma vidéo. Choisissez les tailles d'annonces que vous souhaitez utiliser. Les annonces vidéo en superposition sont des textes contextuels qui apparaissent au bas d'une vidéo pendant sa lecture. Par exemple, les annonces TrueView in Stream sont des annonces diffusées en continu qui peuvent être ignorées par l'utilisateur après quelques secondes. Quant aux publicités in-stream standard, elles sont celles qui doivent être visionnées jusqu'à la fin avant le début de la vidéo. Par ailleurs, pour déterminer si aucune condition d'utilisation n'est enfreinte, cliquez sur Enregistrer les modifications. Votre vidéo va maintenant passer par un processus d'examen. Des informations sur vos droits d'exploitation commerciale du contenu de la vidéo peuvent vous être demandées. Vous pouvez suivre les mêmes processus pour monétiser de nouvelles vidéos.
7. Créer un compte AdSense. Pour recevoir des paiements, vous avez besoin d'un compte AdSense valide qui est lié à votre compte YouTube. Pour obtenir un tel compte, vous devez avoir 18 ans et avoir une adresse postale valide. Pour ce faire, sous les paramètres de la chaîne, cliquez sur l'onglet Monétisation. Choisissez Comment puis-je être payé, puis cliquez sur Associer un compte AdSense. Le site web AdSense s'ouvrira et vous demandera quel compte Google vous souhaitez utiliser. Confirmez le lien et entrez vos informations de facturation correctes. Par ailleurs, sans informations de facturation appropriées, AdSense ne peut pas vous payer. De même, si vous avez moins de 18 ans, vous avez besoin d'un parent ou d'un tuteur pour sa création, car ce sont eux qui recevront les paiements pour vous. 8. Saisissez vos informations fiscales. Notez que cette étape ne s'applique pas aux comptes YouTube de tous les pays. Une fois que vous aurez gagné 10$, vous devrez saisir vos informations fiscales sur YouTube. Pour cela, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Paramètres du compte. Sous la rubrique Paramètres de paiement, cliquez sur Mettre à jour les informations fiscales et remplissez vos champs obligatoires. 9. Vérifiez votre adresse de facturation et ajoutez une méthode de paiement. Si vous disposez de 10$ de revenus publicitaires, YouTube vous enverra un code PIN par email. Vous devrez ensuite saisir ce code PIN en ligne pour vérifier votre adresse postale. Pour un montant précis, YouTube vous demandera de confirmer votre mode de paiement. Ce montant varie selon les pays. 10. Atteindre le seuil de paiement. Afin de recevoir des paiements, vous devez gagner un certain montant de revenus. Cela diffère également selon les pays. Dès que vous atteignez le seuil, vos revenus impayés seront payés. Nous voici à la fin de cette vidéo et j'espère que tout a été bien clair pour vous. Alors permettez-moi de vous demander si intégrer le programme partenaire YouTube est difficile. Sur ce sujet, réagissez dans les commentaires ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poster. Je vous invite également à aimer et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci. Par ailleurs, n'oubliez pas de télécharger dans la description, comme j'avais proposé au début, le guide vous permettant d'accéder à 3 vidéos gratuites pour gagner des revenus sur Internet. À bientôt !